signe un traité de commerce. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode et j'ai pas regardé qui étaient les deux joueurs. Gavin Landon et machin truc. Ah non, c'est un navire de guerre. On s'en fiche. Ah, j'avais une mission. Et un bateau sur place. En tant que baronne, j'ai... Ce qui m'arrangeait, c'est que c'est la baronne fasse la guerre à Givano di Melcanti. Voilà, alors on est bien. On a deux fonderies maintenant. Ouais, donc on doit pouvoir se permettre de faire les deux à la fois. La corde, on est déjà à max. Mais faire un Un petit joueur a bateau. pris le contrôle d'une action libre. Sir Gavin London a acquis une action dans sa ville. Très bien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Les besoins de mes paysans sont comblés. Juste pour le S'installer dans poisson. votre Ah, ville mais a j'en avais été une ajouté bonne plein décision. dans le dernier épisode, je me souviens. Épices et vêtements, ils sont aussi pleinement satisfaits. Du coup, on va faire évoluer les paysans qui sont autour de la taverne. Tout simplement, quand on aura le bois qu'il faut. J'ai toujours pas énormément de bois. On pourrait aller en chercher là. Avec un bateau qui fait rien. On était juste là-dessus, ouais. Il y en a un bûcheron qui s'y est pas collecté. Les corsaires attaquent votre navire. Alors, c'est pas le genre d'endroit où vous pouvez vous permettre d'attaquer mes navires, par contre. Un navire prestigieux Un est grand un... navire de commerce. Navire prêt. Alors, un petit navire de guerre qui va venir par là. Histoire de pouvoir patrouiller. Je pense que détruire 40 navires, ça va pas être le souci, hein. On est déjà à 22. Et on a encore tué aucun joueur. Même si j'espère que lui, ouais, il reste au stade larvaire. Alors dans la roue des épices, on va ajouter que quand je charge du bois, on le décharge là. Là, Vous pensez parfait. avoir terminé la mission? Quel soulagement, Oui. n'est-ce pas? Vous êtes à deux doigts. De satisfaire vos trucs. Il va un autre clou. J'en achète un pour l'Orient ou pas? Non, juste pour les mosquées, je pense que ça vaut pas. Oh. Pourquoi pas? Le mieux serait d'avoir des trucs de taxes. Il y Le en a peut-être Conseil des chez 10 attend des résultats. lui. Oh, des taxes sur les pourpoints. C'est bon ça. Pourpoints que j'ai débloqués ou pas? Non, pas encore même. Alors, de ce côté-là, je préférais qu'on évolue dans le rayon de la taverne. C'est-à-dire vous. Mais aussi des gars dans le sud.
ce côté-là. Là, ils sont pas. Ah non, ils ont pas l'église, c'est pour ça. Là, ils sont encore bons. Là, c'est trop loin. Va falloir que je fasse une deuxième taverne. Hein. Pas moyen d'y couper. Alors, taverne. Donc, la première, elle va en un rayon jusque-là. Si je mets la deuxième là, il n'y a pas trop de zone en commun. C'est bien. On a encore des droits. Ouais, 50. Beaucoup de droits. Alors, toi tu arrives. Je suppose que vous ne pourriez pas vous offrir un navire aussi précieux. Ah ouais, c'est ça. Je ne refuserai aucunement. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Bah ça c'est fait, vous m'avez aidé, monsieur. Merci bien. Donc quand les gens vont acheter 15 taxes chez 15 trucs chez moi, je vais gagner de des pourpoints de cuir. Voilà, ce sera pas suffisant pour alimenter toute ma ville normalement, mais ce sera déjà un bon plus. On va laisser ces deux maisons pour aller raser. Inspirez plus tard. Sème le trouble dans votre colonie. Alors à Goldford. Oh, quelle surprise. Il est là. La main dans le sac. Tant que je le chope. La femme dit que tout va bien. Il y a une maison qui fume. Ouais, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Je voudrais pas de départ de feu, de préférence. On va les repasser en comme ça. Et les citoyens, ils emménagent. Même si... Oh, pourquoi j'ai coupé les épices? Vous pourriez appliquer des honoraires d'escorte dans votre entrepôt. Lord Notenburg aura Gundiagem. Blablabla, c'est de l'allemand. Laissez-moi vous aider. Merci, mais. J'ai un peu de mal à comprendre. Merveilleux. Les honoraires. Voilà. Bon, le truc est pas traduit, mais le vocal est traduit. C'est assez impressionnant. Je sais, je sais. Marchandise ou information? Quel est le bien précieux, précieux. Je le connais par cœur. Alors là, on est hors du rayon de la caserne de pompiers, donc faudra en faire une autre. Je pensais à une certaine somme qui m'apporterait une aide véritable. Je suis bien de cet avis. Les familles de rang. Je pensais à une. Vous savez ce à quoi peut prétendre une dame de mon rang. Ouais. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. Ah, je suis en guerre avec lui, d'accord. Oui, il est en guerre avec Hydrolien. Avoir beaucoup de place là. Continuons plutôt les maisons par là. Une transaction équitable. De ce côté-là, si je laisse tant de place, ça peut me permettre de mettre une caserne de pompiers. Plus aucune marchandise ne circule sur l'une de vos routes de commerce. Pain et bière. Ouais, mais j'ai toujours pas les trucs de pain et de bière, c'est... Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai pas dû le faire parce que j'avais pas les marchandises. Voilà. Et la bière, ce sera plus tard.
En revanche, on pourrait avoir déjà les patriciens qu'il faut. Où est mon grand navire? Ah, il s'est battu. On va aller le réparer. Une juste transaction. Combien il me faut de patriciens pour débloquer la bière? 510. On gagne énormément de sous. C'est trop bon. J'adore gagner plein de sous. Si je mets une église là, elle sera un peu excentrée. Après, je pourrais en mettre. Non, elle serait pas mal centrée quand même. Ce serait pas si pire. Bon, on aura probablement besoin de deux églises, vu la taille de mes trucs. Il y a encore beaucoup de place au sud. Donc si je mets une église là, ce sera pas perdu. Mais quand elle sera près des collines, ce sera du terrain inutilisable. Bon. Tant pis, on va faire un bloc de patriciens là aussi. Ils doivent pas remonter à... Ouais, ils peuvent monter. Merci les citoyens. Oh, faut repasser en satisfait. Alors il m'a Salam acheté alaikum. et il m'a filé 5 pourpoints de cuir en achetant. Et qu'est-ce qu'on vend d'ailleurs? Les trucs en trop. Oh bah on vend le bois alors qu'on en a peu pour ça. Ne vendez que si on en a vraiment beaucoup. Le poisson, on est revenu Ma bon. femme et moi sommes contents de En ce que revanche, le Dieu cire, nous a ça donné. diminue. Le cidre, ça diminue. Donc, on va en caser un. Il y a déjà un bonshomme. Alors, je me dis que comme ça, j'ai la place de mettre un champ là, un champ là. De nouveaux bâtiments sont prêts à être construits. Vous perdez le contrôle de la situation. Vous devriez prendre un maire pour vous aider. Il y a une circonscription. On verra. Il va me falloir un donjon. Et je peux faire petite brasserie du monastère. Et jardin du monastère. Quand j'aurai le bois. Le bois, il me manque du bois, c'est fou. On va acheter les outils, les vend pas très Je cher. charge les marchandises. Il charge les marchandises sur le champ. Normalement, les premiers pains arrivent. Donc, ils sont plus ou moins satisfaits parce qu'il n'y a pas tellement de pain non plus. Eh ben, on se développe doucement mais sûrement. Lui, par exemple, j'ai l'impression qu'il a une plus grosse ville que moi. Et déjà, il a les pourpoints de cuir grâce au cochon. Après, ah si, il a le donjon et des camps militaires. C'est ça qui est un peu chaud. Bon, lui, il a toujours pas les patriciens. Tant qu'on le bloque en dessous de patriciens, il n'y a Je pas pourrais de. me payer 100. Il n'y a pas de chance qu'ils viennent m'embêter vraiment. Non, c'est un petit bateau qui a rien demandé. Hop, retourne à ton trajet, toi. C'est lui qui amène le pain d'ailleurs. Le pain des patriciens. Alors, il faudra faire un fabricant de verre qui demande de la potasse et du quartz. Donc
le quartz, on va le débloquer dans le sud. Familiarisez-vous avec la construction. Ah mince, c'est la troisième truc. Donc du quartz, on en a là par exemple. Voilà. Dans le rayon. Vos marchandises. Sinon, on mettra un autre bonhomme. Sinon, il y en a là aussi. Mais ça, c'est hors du rayon de quoi que ce soit. D'ailleurs, on pourrait mettre un bâtiment de marché pour cette zone-là. Pas maintenant, je brasse quelque chose. Descendre la colline avec toutes ces fioles fragiles, vous allez devoir construire une route. Bah, j'ai construit une route, où est le souci? Ah, je pense qu'il est pas dans le rayon de mon truc de marché. Il faudrait qu'il soit là, par exemple. Ah, mais j'ai plus de matériaux. Alors, allons piquer des matériaux. Il va me falloir de l'honneur. J'avais un petit bateau qui faisait rien. Toi, tu vas aller acheter un papier. Enfin, vous c'est pas un papier, c'est chaleureusement accueilli ici. Une attention princière. Ou alors celle-là, parce que j'ai pas plus pour monter d'un cran avec le sultan, le calife. Là, on collecte plus le bois parce que c'est long, c'est tout. Je gagne énormément de sous, c'est très très bon ça. Il va me falloir me faire des soldats, je pense, rien que pour me protéger. Même si actuellement on est en bon terme, je vous paye leur... Vous êtes venu mettre un terme à ma douce oisiveté. Venez, approchez donc. J'aimerais vraiment passer dans les 55 pour avoir un traité avec elle. Je vous demande de partir. Les portes de mes entrepôts. Je serai heureux de vous aider. Hop. Toi, tu étais là pour prendre les outils et le caillou. Hop, on descend. Faudrait que je fasse des routes en pierre sur les chemins. Ah bon, alors mes petits bateaux, évidemment j'en ai plus sous la main quand il faut. Ça c'est un petit bateau de guerre. Fais-toi réparer, mince il attend donc il se fait pas réparer. Ah bah il est neuf, c'est pour ça aussi. Un sbire ennemi sème le trouble dans votre colonie. Ah oui, alors par contre s'il arrive pas par là... Réussite à cesser de produire des marchandises. Votre navire est la cible de tirs ennemis. Le sultan serait ravi que vous puissiez me rendre ce service. Un de vos bâtiments subit une attaque. Que croyez-vous faire? Un sbire ennemi s'est tout bonnement volatilisé. Alors, on a un sbire ennemi qui s'est caché. Un incendie fait rage dans votre colonie. Ah! N'arrête pas! Allons couler ce bateau. Où ça? Là, ah mince, bon, je crois que je vais perdre cette île.
Ce fier navire me fier. L'ennemi attaque l'un de vos navires. C'est un petit navire de guerre, ça je pourrais me battre. Changement de cible, on abandonne le nord. On se bat de ce côté-là. Ensuite, de ce côté-là, la brasserie. La brasserie demande aussi du blé. Dois-je voir ceci comme une preuve de votre bienveillance? Oui. Vos efforts continus doivent être. Vous avez appris beaucoup de choses. Et voilà, donc il manque ça. En revanche, je peux faire des tapis dès que j'en aurai l'occasion. Dès que j'aurai monté. Dès que je serai allé chercher la ressource aussi. Les richesses de l'Orient vous a... Donc la ressource. Non, c'est l'autre qui me manque. Ouais. La production a été interrompue. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui. On a des fertilités d'épices, c'est pas ce qui m'intéresse. On va faire voguer le petit bateau. Alors. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Ma nomination au poste de grand vizir est un immense honneur. Oui, j'avais pigé. Le sultan a beau être jeune et plein d'énergie, il accorde de la valeur aux paroles, d'un ancien. Attendez, mais il m'a manqué combien? Ah mais un seul. Terre en vue. Dieu sait que j'ai rencontré de meilleurs menteurs que vous à la cour. Ah mais non, mon Dieu. M'insulte pas, gratuitement en plus. Donc on a monté nos trucs, donc on va pouvoir se permettre d'avoir plus de nomades. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Acheter du bois. J'ai plus d'outils de ce côté-là. T'es venu faire quoi, sirène? Ah, couler un navire en surfuite. Qui du coup est très loin. Et c'est un navire de commerce. Très bien. Alors ça ira. On va aussi envoyer ce bonhomme-là. De ce côté-là, on a trop de bois. Je ne le crois pas. Ah, il m'embête. Changement de plan. Ça me plaît. Cours, mon bateau arrive. Il a suffisamment de navires pour venir m'embêter. C'est ce qu'on va voir. Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici des marchandises en provenance de ma terre natale. Ici c'est chanvre. On vend le bois, c'est bien. Nous ne vivons pas dans l'opulence, mais nous survivons tant bien que mal. Ah, on a pain et bière qui circulent, c'est bien. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Ouais, les bûcherons, ils étaient à max, c'est normal. Donc, il me faut...
faut plus d'honneur pour débloquer le quartz et donc la truc de verre. Et la truc de verre, j'ai probablement le mettre là. Et la cible de tirs ennemis. Quoi ? Toi, t'es un petit navire de guerre, pas mal le taper. Alors on l'a coulé, qu'est-ce qu'on a gagné ? Des outils, peu d'outils. Une flotte ennemie progresse sur votre territoire. Beaucoup d'outils sinon et peu de bois. Bon, tant pis. Non, c'est lui qu'il faut taper. Une transaction fructueuse. Après, on va faire un nouveau bateau. Ah non, il s'en va, parfait. Alors, réparons. Bon, j'aurai un petit bateau d'avance, pas grave. Toi, tu vas suivre la trace de ce bateau pour chaque le protéger. Chaque marchandise transportée à bord de ce vaisseau a été livrée à bord. On est bon en cidre. Côté citoyen. Épices, c'est encore bon, mais j'ai pas l'impression de m'avoir énormément. Chaque marchandise transportée à bord de ce vaisseau a été livrée à bon port sans encombre. Vous entendrez parler de moi. Construction du navire terminée. Très bien. Ça, c'est le navire que je devais couler. Qui a beaucoup de vie. 600. Non, c'est pas énorme. Alors, malheureusement pour lui, il a pas de moyen de se défendre. Là, j'ai pas trouvé le repère des pirates encore. Non, sinon je verrai les pirates. Le navire attend. Je savais que j'allais... Vous êtes bien trop intelligent pour refuser cette mission. Les fiers navires de l'Orient sont parmi les... Fabuleux. Une honorable transaction. Alors, on va déposer le poids et les outils que j'ai volés. Et on va aller s'occuper de l'autre navire qui est là-haut. Il me faut du verre pour monter le truc. Tout à fait. Un sbire ennemi a été aperçu dans votre colonie. Une île a été colonisée. La colonie est trop grande, je peux pas. Ah, il est là. Pris la main dans le sac. Oh, il allait peut-être déclencher une révolte ou je sais pas quoi. Ouais, s'il venait d'une maison de patriciens, il pouvait déclencher une révolte. Alors, toi, t'es un nouveau bateau, qui sert à rien pour l'instant. Avez-vous des nouvelles, bonté divine ? Je dois immédiatement en informer le sultan. Voilà, allons par là. Très louable. Très louable. Bien, alors si la comtesse vous pouvait arrêter... Vous avez toute mon attention. Bienvenue, m'insulter, c'est ce bien. Souvent dit que j'étais éloquent, mais... Ma porte ne vous est plus ouverte. Oui, on... Je remonte mes relations quand même. Pas de raison que je le fasse pas. La production a été interrompue. Alors pendant que les actions valent pas cher. C'est un honneur. On va en prendre une. Surveillez vos actions du conseil municipal. Tout ce pouvoir entre vos mains. Au cas où l'IA tente de me prendre des actions. Tout simplement. Là, il a pas de... Il a des ateliers de cordier. Donc il faut que je me débrouille pour qu'il puisse pas. Que sa corde n'arrive pas jusqu'au truc à bateau. N'est-il pas merveilleux ?
deux petits navires de commerce qui suivent. Ils font peut-être la même route, c'est pas très très utile. Ah, ça va être l'heure d'arrêter cet épisode, on se retrouve bientôt pour le suivant.